Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un triangle en connaissant les longueurs de deux de ses côtés et la mesure d'un de ses angles. Donc on commence par faire une figure à main levée où on positionne les sommets du triangle, la longueur MN, l'angle MNP et la longueur NP qui fait 6 cm. Donc nous allons commencer ici par tracer la longueur MN qui fait 7 cm. Ensuite, nous pouvons construire l'angle MNP qui fait 55 degrés. Donc on va tracer la demi-droite d'origine N pour obtenir cet angle. Nous savons ensuite que le point P est situé à 6 cm du point N. Donc à l'aide du compas, nous allons positionner le point P. Il nous reste à tracer le segment MP et nous obtenons notre triangle MNP.